Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo bonus avec un haul action, le premier de l'année. Donc voilà, je dois dépenser moins, on est d'accord, mais action, on dépense pas grand-chose. Donc, après avoir été chez Action, on est passé au Cora et c'était le premier jour des soldes. Donc je vais vous montrer, j'allais chez Action, en fait chérie m'a envoyé un message hier en rentrant du travail en me disant « Tu vas aller chez Action aujourd'hui ?» Ben ouais, question, voilà. Et j'y allais parce que je voulais des pics à brochettes et de la colle pour mon pistolet à colle, puisque je suis en train de m'éclater avec ça, vous verrez ça dans le vlog dimanche, mais j'arrête pas de faire des trucs comme ça, je suis en train d'en faire pour tout le monde, bah pas dessert, hein. Ça c'est mon Bambi à moi, et c'était très long à faire. Mais je fais des petits cadres avec les initiales. Voilà, donc vous verrez ça. Je vous montre tous ceux que je fais au fur et à mesure que je les termine. Et donc, il me fallait des pics à brochettes. Mais on n'en a pas trouvé. Mais heureusement, on en a trouvé au Cora. Donc, j'ai repris deux paquets de grandes et plus épaisses. Et deux paquets de plus petites et plus fines. Je me sers des deux pour faire ce genre de truc. Donc là, je vais pouvoir m'amuser encore un peu. Heureusement, j'ai de la colle en stock parce qu'il n'y en avait plus chez Action. J'ai trouvé donc les produits de beauté en solde, donc j'en ai pris un de chaque pour moi et un de chaque pour vous pour Noël. Hein. Vous savez que j'aime vous faire des cadeaux de Noël toute l'année. J'ai trouvé des masques comme ça, c'est la marque Sense, c'est des Winter Wonder Facial Mask. Donc il y a un petit nounours, un ours blanc, ça a l'orange, à l'extrait d'orange. Hydratant et rafraîchissant, et le loup, c'est du licorice, réglisse, de l'extrait des réglisses et de la protéine d'avoine. Il est hydratant et revitalisant, et je les ai trouvés trop beaux et parfaits pour le thème de Noël. Voilà, ils sont très beaux, vous avez les petits aperçus ici en dessous. Et pour un euro le masque, je vous en ai pris pour vous aussi. Voilà. Et un autre produit soldé qui était à moins 70%. Chérie m'a dit, bah, vas-y, prends-toi le. Hein. Je me suis encore acheté un gilet genre pilou-pilou, mais fausse fourrure, tigre. Voilà. Le truc totalement inutile, hein. J'en ai 15 millions. Mais encore un tracteur. Donc le voilà, il est trop beau, avec une grosse tirafe, j'adore ça. Et voilà, il est super doux. Et à l'intérieur, il est doublé en satiné, comme ça. Donc c'est très bien, et du coup je l'ai payé 12 euros je crois, il était à 39,99 moins 70%, Made in Italy, et c'est une grande bonnette bien large comme j'adore. Donc voilà, je trouve que comme petit gilet d'extérieur, petite veste mi-saison, c'est sympa. J'y vais maintenant. Voilà pour ça. Donc on peut passer chez Action. Bon, je pioche comme ça vient dans le sac, hein, voilà. Alors, il y avait des masques pour les cheveux. Déjà, j'ai repris celui-ci que Manon m'avait offert une fois à la kératine. J'avais beaucoup aimé. Donc, c'est des masques pour les cheveux avec la Charlotte. Sauf que la fois d'avant, ils disent de mettre un petit peu le produit trempé dans de l'eau chaude. Je l'avais fait avec vous en vlog. Et c'est beaucoup trop liquide. Donc, je ne le ferai plus tremper. Mais du coup, je m'en suis repris un comme ça. Et j'ai pris un à la coco qui est nourrissant et réparateur. Voilà, tout simplement. J'ai pris ces deux-là. Alors, j'en fais rarement, mais comme ça, j'en ai. Attendez, parce qu'il y en a deux autres. Enfin, un autre, je ne trouve pas le deuxième. Donc là. Il y avait ceci qui était nouveau. Donc, c'est le même principe avec des charlottes décorées cette fois-ci. Il y en a un à la rose qui est hydratant et softening. À l'eau de rose et à l'huile d'argan, et l'autre c'est Smoothing and Nourishing Coconut and Shea Butter. Voilà, et regardez, les charlottes sont décorées. Voilà, avec des roses et des noix de coco. C'est un peu débile, mais voilà, j'aime bien. Et elles ont l'air assez épaisses, donc je pense qu'elles peuvent être réutilisables, contrairement aux autres ici qui sont en papier très fin. Mais j'aime bien faire ça de temps en temps. J'ai trouvé ce masque-là, voilà, silver. Il y avait le gold aussi, hein, mais j'ai juste pris le silver. Je l'ai trouvé joli. Donc, je l'ai pris. C'est un silver.
Foil Cheat Mask, il est hydratant à l'eau de rose. Chaud. Voilà pour ça. Je me suis repris mes petits bics, la mini gel pen. Donc, vous avez 24 pièces à l'intérieur. Je les adore pour écrire dans mon agenda, ma to-do list et compagnie. Enfin, agenda, j'ai pas d'agenda, mais voilà, mon planning vidéo, mon cahier de vidéo. J'arrive pas à l'ouvrir, il est scellé. Et vous avez donc les bics à l'intérieur. Il y en a qui sont parfois en double, il y en a qui ne le sont pas, mais voilà, j'adore ces petits bics. Ils descendent très vite, hein, puisqu'ils sont vraiment mini. Et si vous allez voir, ils sont pas totalement remplis non plus, mais pour le prix... j'aime bien. Alors, j'ai pris deux petites choses pour les chichous. Déjà, je leur ai pris un jouet. Donc, c'est pour les chiens, normalement. Hein. Mais comme ça, je peux l'accrocher dans la cage pour parce qu'il leur faut des jouets dans la cage pour passer leur temps la nuit, en fait, hein, pour pas qu'ils s'ennuient. Et c'est bien de leur changer régulièrement la disposition des étagères, de la mangeoire et tout ça pour qu'ils s'ennuient pas en fait, parce que ça s'ennuie très vite un chinchilla. Bon, après nous on les sort tous les jours quasi, donc ça va. Et du coup j'ai trouvé ceci pour leur mettre leur foin. Depuis le temps que je cherche un truc en métal où ils ont facile d'accès pour attraper le foin, puisque mon petit pot à crayon, hein, ils ont beaucoup de mal. Donc là ils auront la dose, ça prendra un peu plus de place dans la cage, mais au moins ils arriveront à manger. C'est assez lourd, bon je vais quand même l'attacher, hein, mais c'est assez lourd, donc du coup ils... Comment ? Ils pourront pas trop le faire tomber, bien que Gougou sait tout faire tomber, lui. Hein, il adore tout déplacer dans la cage. Alors, toujours pour les chichous, j'ai pris une ramassette et une balayette. Voilà, c'est juste pour quand j'ai la flemme de sortir l'aspirateur et qu'il n'y a pas trop de crottes, vous savez, pour balayer un petit peu les petites étagères. Voilà, comme ça, ça va plus vite que de brancher l'aspirateur pour ramasser 5 caca, enfin 5 caca, 5000 caca, mais des caca quand même. Je me suis repris des cotons démaquillants, donc ceci. Je cherche les réutilisables que Manon m'a offert dans le swap, parce que je les adore et je veux faire un stock, puisque mamie backup. Hein. Mais j'ai repris les grands, c'est ceux que j'utilise pour me démaquiller, et les petits, c'est ceux que j'utilise pour mettre ma lotion le matin. Donc franchement, rapport qualité-prix, c'est les meilleurs qu'on puisse trouver. Toujours pour mes petits bricolages avec ça, j'ai trouvé des décos. Donc, j'ai pris un lot de petits pompons. Voilà, j'ai trouvé ça trop kiki et trop mignon. Et j'en ai mis sur Suidemi. J'ai mis des mauves, hein, bien évidemment. Vous verrez ça dimanche. Et ça donne plutôt bien. Et j'ai pris également deux sachets de ceci. Donc, il y en a un que j'ai déjà entamé. C'est 30 grammes de Hobby Beads. Donc, c'est des perles normalement. Mais moi, je les ai collées sur le truc. Et j'ai pris des un peu noirs argentés et des dorés. Parce que Manon préfère le doré, donc c'était pour Amy et pour Manon, mais du coup, j'en mets partout. Alors, on a racheté des sacs de pour sandwich pour congeler la poulette du chien. Voilà, je sais rien, on a pris 3. C'est ce qu'ils m'utilisent pour congeler les cuisses de poulet du chien. De la pâtée pour le chat. Il les adore, franchement, et pour 21 centimes, c'est pas bien cher, donc j'en ai pris 6, je crois. 6 ou 8, je sais plus. Je vous en montre que 2, c'est pas passionnant, hein, mais voilà. Et franchement, pour le prix, il y a 100 grammes dedans, et franchement, le chat, il les adore. Il préfère Zola ou Whiskas. Donc, je suis bien contente, parce que Whiskas, c'est pas du tout le même prix. Hein. On a repris des piles rechargeables, mais des AAA, cette fois-ci. Il y en a rarement, donc là, j'ai quand même repris un paquet. Puisque dans les télécommandes et tout ça, c'est ce qu'il y a en principe. Donc, c'est bien d'avoir des piles rechargeables. Comme ça, ça évite d'acheter tout le temps des piles. Hein. Nous, on a gros piles rechargeables ici. J'en ai tout un stock, pas possible. Oui, même ça, je fais du backup. Hein. Mais voilà, pour le prix, franchement, elles sont bien. C'est des combien est-ce que c'est marqué? Ah, là, c'est que des 800. Je crois que les grosses, les AA, il me semble que c'est des 1000 ou des 1000. Non, c'est des 2000. Je ne sais plus, mais elles ont une très grande capacité. Les grandes, là, c'est des plus petites. Mais bon, c'est sûr que les petites, c'est pour les télécommandes et tout ça. Ça se décharge beaucoup moins vite. Chérie a repris un paquet de Crispin Onion. On adore ça. Mamie Backup a encore frappé. Et j'ai repris les deux qui avaient les 3 minutes, 3 Miracle Oil de chez Aussie. Franchement, gros coup de cœur sur cette huile cheveux.
J'adore. Donc, dès qu'il y en a, j'en achète parce que la marque aussi est quand même pas donnée. Enfin, elle n'est pas hyper chère non plus. Hein. Mais c'est la meilleure huile pour les cheveux que moi j'ai testée. Alors, je ne regarde pas à la compo. Hein, pour ceux qui y regardent, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne regarde pas du tout à la compo. Dedans, vous avez de l'huile de macadamia, de safflower, je ne sais pas c'est quoi, et de l'huile de coco. Cette huile sent divinement bon, elle lisse super bien les cheveux, et j'ai les cheveux doux, mais doux avec... J'adore. Franchement, gros coup de cœur. J'en ai deux en backup, je viens d'en racheter deux, donc là, je suis tranquille pour un certain temps, bien que j'utilise beaucoup d'huile à cheveux, hein, puisque j'en utilise au minimum une fois par jour. Mais je les adore. Et l'odeur, je vous jure. J'ai l'autre sorte aussi. Hein. Là, c'est la Smooth, c'est celle que j'utilise en ce moment. Et j'ai l'autre, c'est la Repair, je crois, je ne sais plus. C'est à l'huile de... d'argan, je crois, je ne sais plus, il y en a une autre sorte, mais j'ai tellement craqué sur celle-là et sur l'odeur et que j'ai pas encore testé l'autre que j'ai pris les deux comme ça qui étaient en stock. Il y en avait des autres, hein. Mais je vais attendre de tester avant et dès que je revois celle-ci, à chaque fois que j'irai, je prendrai du stock parce que j'ai jamais les huiles dispo dans mon Action. Et enfin, la pièce maîtresse de ce haul. J'avais craqué dessus quand on a été dans un autre Action la dernière fois. Et chérie, il m'a dit, non, on ne la prend pas maintenant. Et là, elle y était, dans celui où on va habituellement. Et là, je l'ai prise. Cette magnifique lanterne, elle est magnifique, sublime. Regardez les détails. Donc, vous allez me voir en transparence et mon anneau lumineux. Mais oh, j'avais craqué dessus. Bon, il y a déjà une trace de doigt. Merci, chérie. Alors, est-ce qu'il y a les dimensions? Non. Il n'y a pas les dimensions. Oh, si. Elle fait 45,5 cm de haut et 17 de largeur. Franchement, je crois que la prochaine fois que j'y vais, si elles y sont encore, j'en achèterai une deuxième pour mettre de chaque côté de mon meuble télé. Mais là, pour l'instant, je vais la mettre en bas. Vous risquez de la voir en haut aussi. Hein. Vous savez que je change mes décos. Je switch entre mon déco... Attendez, je la repose parce qu'elle est lourde. Je switch entre ma déco d'en bas et d'ici pour mon fond. Pour l'instant, j'ai celle-ci. L'autre, elle est peut-être un peu grande pour mettre. Elle risque de prendre un peu trop de place. Mais je l'ai trouvée tellement belle que là, je vais la mettre sur mon meuble en bas. Je vous montrerai ça dans le vlog de dimanche. Et je vais mettre ma bougie Yankee Candle, c'est celle qui brûle pour l'instant. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous voyez, je n'ai pas exagéré. J'ai été sage, très sage. Après, je vous dis, on y allait pour le pistolet, pour la colle, mon pistolet à colle et les piques à brochettes. Et c'est les deux trucs qu'il n'y avait pas. Et le reste, on n'avait pas besoin, mais j'ai acheté. Voilà. Par contre, je suis super contente d'avoir trouvé ça pour les chichous. J'espère que je vais aller leur installer là ce soir avec le jouet. Quand ils seront sortis ce soir, je referai un peu la cage. Et voilà, donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain pour la vidéo de base, hein, qui est « Je me maquille avec vos favoris à vous ». Et voilà, d'ailleurs, j'en porte encore un aujourd'hui. Vous verrez ça demain. Et donc, on se retrouve demain, de toute façon, donc. En attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.